Mais en fait, l'auteur, elle est américaine, elle vit à New York. Et au moment où Bayard a voulu sortir cette série en France, et il voulait pas des images américaines, en fait. Je sais pas pour quelle raison, mais ils m'ont demandé de faire les illustrations. C'est une chance extraordinaire. Et dans d'autres pays, c'est d'autres illustrateurs. En Allemagne, il y a des illustrateurs aussi au Japon. Je crois que... À un moment, il y avait plus d'une vingtaine d'illustrateurs de la cabane magique dans le monde. Donc pour la France, c'est moi. J'ai eu la chance d'avoir ce... Et je n'ai pas de contact avec l'auteur. Je l'ai rencontré une fois parce qu'elle a fait une tournée en Europe. Et c'était une chance incroyable parce que c'est quelqu'un de vraiment génial. Et malheureusement, je n'ai pas pu aller à New York pour la voir. Mais bon, j'aimerais bien, si c'est possible. Moi, je reçois le texte traduit en français. Des fois, je le reçois un petit peu avant en anglais parce que bon, c'est assez facile à lire en anglais. Et donc, il y a une maquettiste qui me propose des trous, si vous voulez, dans la maquette. Elle me propose des scènes à illustrer. Moi, je peux déplacer un peu sa maquette. Et puis, en fonction de ça, je fais les illustrations après. Je propose des crayonnés. Et puis, on se met d'accord avec l'éditeur. Et puis après, je fais les dessins. Mais ça va tout seul. Le texte, il est tellement... les images, elles viennent toutes seules, quoi. C'est vraiment hyper agréable, quoi. À chaque fois que je travaille, je pense aux enfants. Parce qu'en fait, les dessins, ils sont là pour accompagner le débutant lecteur. Et donc, il faut toujours penser à ce que ce soit simple, bien lisible et tout ça. Le choix, il est économique, mais en même temps, je pense que c'est... Il y a un choix aussi graphique, le noir et blanc, c'est quand même quelque chose qui... du coup, il n'y a pas de... C'est harmonieux, c'est toujours la même teinte, du coup. Enfin, moi, je préfère le noir et blanc en général. Puis la couverture couleur, bon, ça, c'est comme tous les autres livres sont en couleur, il faut que les livres soient bien vus. Non, il n'y a pas de fin de prévue, parce que chaque livre, c'est une nouvelle aventure, en fait. C'est souvent par tétralogie, c'est par quatre livres. Ils ont une mission à faire, c'est souvent Merlin qui leur donne une mission. Ils ont quatre tomes, ils vont réussir à... Enfin, je ne veux pas spoiler, mais souvent ils réussissent à résoudre la mission, quoi. Et donc, c'est sans fin. Et puis, elle utilise la série aussi pour parler du monde, de l'histoire du monde. Il y a aussi quelques tomes qui sont un peu fantastiques. Donc elle s'amuse avec les thèmes de la littérature et puis de l'histoire, de la science. Et voilà. Alors oui, moi j'ai toujours des projets. J'écris tout le temps. Après, ça prend beaucoup de temps parce que je fais trois séries. Je fais La cabane magique, 39 clés et une nouvelle série qui s'appelle Le club des apprentis samouraïs. Donc voilà, j'ai toujours des projets, mais pour l'instant pas beaucoup de temps pour les faire. Je ne vais pas être très original, mais je serais Bilbo le Hobbit, parce que c'est un roman qui m'a vraiment marqué quand j'étais ado. Et j'aimerais bien être dans sa peau, parce qu'il vit des choses extraordinaires qui sont tirées de l'imagination fertile de Tolkien. Mais en même temps, je ne sais pas si j'aimerais, parce que ça doit être l'angoisse quand même, d'être dans la grotte, d'être poursuivi, voilà. Mais non, c'est le héros qui me vient en tête.